on pourrait y aller tous ensemble aux eaux communales. Je peux venir? Non, pas toi. Pour découvrir comment elles vivent les bêtes féroces et crier à l'aide, le lion s'est sauvé. Et pour voir en cachette l'effet que ça fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais de mettre une autre bande. Tu m'as dit de le mettre là, c'est là où tu m'as dit de le mettre. Oui, non, mais je sais ça. Ah. Ça, c'est obligé parce que attends, Félicie. Attends-moi. J'essaie de voir jusqu'où est-ce que tu peux te... Est-ce qu'on pourrait le laisser là? Essaye encore. Je peux venir? Non, pas toi. Je peux venir? Non, pas toi. Je peux venir? Non, pas toi. Ben pourquoi? Rosso, rossi, rosso, rosso. Rosso di sera, bel tempo si spera. Je dirais que c'est pas un hommage au communisme, c'est un hommage à l'engagement politique. Ouais. Et en effet, ça part de la révolution de 17. Donc ça part de là, donc ça part du communisme. Mais après, ça va pas que... C'est beaucoup plus large que le communisme. Pour moi, c'est tous les engagements, toutes les révolutions. Quand il parle Place de la République, quand il parle Tahir, Taksim, au Bardo, à Wall Street, toutes les batailles politiques, que ce soit en Tunisie, que ce soit les femmes qui ramassent le thé, que ce soit... C'est tout des révoltes. Lénine. L'infirmière de Lénine. Staline. Félicie. Luciano, Sébastien, Mokhtar, Aziz. Warda, la Tunisienne. C'est pas une célébration de la révolution. C'est un constat. Hein, c'est un aller regarder où il y a des petites flammes qui continuent à brûler, de l'espoir qui ressurgissent à droite et à gauche. Donc on parle bien sûr des printemps arabes. Peut-être si ce texte aurait été écrit aujourd'hui, il y aurait eu probablement les gilets jaunes qui seraient rentrés dans cette pièce, probablement. La discrimination dont la femme est victime, ainsi que sa dépendance, ne pourront être surmontées définitivement que lorsque la société adoptera un nouveau système où exploitation et consommation collective remplaceront la propriété privée. Bon. Oui, autrement dit, par la victoire du communisme, du communisme, du communisme. Réplie ce discours, il n'est pas de mise. Dans le théâtre de la Girandole, il y a un engagement hein, humain et politique que Astor a vu et donc il a après développé en mettant ces deux personnages qui sont à l'origine du théâtre de la Girandole, en écrivant un texte, en les faisant dialoguer, en les mettant dans des situations. Vous jouez votre propre vie, quoi. Un peu, oui, dans les dialogues. Ça ne vous ébranle pas plus que ça? Moi, pas du tout. Ben, c'est comme si on est dans la vraie vie, donc... L'impression d'être en train de discuter à la maison, alors que c'est une pièce de théâtre. Ben là, ça tire pas du tout, Luciano, c'est complètement... Bon, qu'est-ce qui tire, là? Vas-y. Je vois que c'est complètement détendu, qu'est-ce que tu racontes? Le fil, le rouge de l'amour, le rouge de l'engagement politique, le rouge... De la révolution, le rouge du sang... Elle est plus difficile à rentrer quand on ne voit pas bien. Elle est mieux par rapport à... Elle est plus fine. Mais là, je ne vois pas très bien parce que c'est loin sans lunettes. Pas moi. Ta jouissance en sera plus forte. Et peut-être la mienne. N'éteins pas. N'éteins pas, mon aimé, la lumière. Tu croyais comme ça que le capitalisme s'en irait sur la pointe du pied. Rouge. Rouge. Blanc, brun et bleu marine. Rouge, rouge, mon aimé. Rouge, rouge, blanc, brun, noir et bleu marine. C'est qui sait qu'il a une écriture assez difficile. Donc, il sait que nous, on a plus un rapport charnel au théâtre et direct
Donc il voulait justement que ça soit nous qui travaillons sur ce spectacle pour amener, justement pour pas rester que dans la tête, pour amener du charnel et du vivant et du bon vivant. Scène 15, chambre couple Peugeot, Caroline Peugeot, Thierry Peugeot. J'allume. Quoi? À 3 heures du matin? Mon cousin est en vendu. Thierry éteint. Ils nous vont au chinois. J'ai sommeil. Sommeil. À poil. Non, je réponds à poil quand tu dis à poil. Non, maman, j'ai sommeil, éteint. Si. Mais oui, mais tu ne vas pas laisser dire. Tu es en train de dire. C'est bon. On va refaire la scène. On continue. On continue, c'est bon là. Il n'y a pas deux scènes qui suivent. Ça pour nous, pour la mémoire, c'est l'enfer. Là, je peux te dire qu'on souffre. Là, ça bouillonne. Ça, c'est fatigant. C'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir... pas l'impression, j'en suis même sûre. C'est la première fois... Je pense que c'est une question d'âge, mais pas que d'âge. Parce que Sarah, elle en bave aussi. Hein. T'as vu, des fois, elle dit où je suis. C'est encore plus dur pour elle. C'est la seule fois où je me dis, on est limité au point de vue de la mémoire. À un moment, la mémoire, eh ben, y a plus rien qui rentre, ça fume. Et on dit, mais on est limité dans la tête, le cerveau, en fait, c'est pas illimité. Pourtant, j'ai appris beaucoup de textes, même des textes difficiles, mais j'ai jamais eu l'impression d'être limité, que ça bloque au bout d'un moment, ça fume. Comme une coquette.